Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Peuple de Dieu, nous sommes à notre émission, une parole pour un chrétien. Bien-aimé, le Seigneur nous a donné un thème très important que nous entendons parler partout. Mais avant toute chose, nous allons prier. Confier ce moment au Saint-Esprit. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Éternel Dieu, Père de gloire, toi qui as créé la terre et les cieux, toi qui nous as créés à ton semblable, à ton image. Seigneur, voici, nous voulons encore faire ton œuvre. Viens nous conduire, sois avec nous, que ton feu nous dévance, afin de toucher le cœur de tes enfants. Viens et manifeste-toi, Père. Glorifie ton nom en ces jours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes en ce jour et nous voulons encore vous donner la pensée du Seigneur sur ce thème d'aujourd'hui. Et le thème que le Seigneur nous a donné, c'est la paix. Les gens disent qu'ils sont dans la paix. Ils sont dans la paix. Et nous allons voir qui donne le réel paix. Qui donne la paix réelle. Alléluia. Sans cela, le Seigneur nous donne cette parole dans le livre de Jean 14, verset 27, que nous allons lire. Jean 14, verset 27. Je lis la parole de Dieu avec joie. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Ici, le Seigneur nous dit qu'il nous laisse sa paix. Et qu'il nous donne sa paix. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un. La paix, c'est en Jésus. La paix, c'est quand tu es chrétien. Parce que dans le monde, il n'y a pas de paix. Parce qu'un chrétien qui n'est pas encore dépouillé du monde, qui n'est pas encore dépouillé de tous ses démons, ne peut pas être en paix. Ne peut pas être en paix. Sans cela, le Seigneur nous amène pour te dire, toi frère, toi sœur, qui n'es pas encore dépouillé, pour avoir la paix, c'est en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur nous dit, il nous donne sa paix, il nous laisse sa paix. Donc toi qui es encore dans le monde et que tu me suis, viens en Jésus. Parce que le Seigneur Jésus donne la paix. Sans cela, il nous dit dans le livre de Matthieu 11, versets 28 à 29. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Et je vous donnerai du repos. Le repos dont le Seigneur parle ici, c'est la paix. Alléluia. Parce que quand tu viens en Jésus, tu as la paix. Le monde ne peut pas te donner la paix. Le monde te donne une paix temporaire. Et en Jésus, c'est la paix éternelle. Quand je vois des personnes qui disent que celui-là est mort, il repose en paix. Alors qu'il connaît sa vie, il sait que ce monsieur qui est décédé, c'est un adepte du maquis, des maquis, des boîtes de nuit. C'est un adepte des prostituées. Et quand ce monsieur décède, on dit non, repose en paix. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, j'aimerais te décourager ce matin pour te dire que la vraie paix, celui qui donne le repos éternel, c'est Jésus-Christ
de Nazareth. Et pour avoir le repos éternel, il faut falloir passer par le dépouillement, par la délivrance, pour avoir la paix de ton âme. Alléluia. Donc voici un peu ce que le Seigneur m'inspire sur ce thème à vous dire. Le monde ne peut pas te donner la paix, bien-aimé. Si tu es en Jésus, cherche réellement le Seigneur. Le monde ne peut pas te donner la paix. La paix, c'est en Jésus. Autrefois, nous tous, on était dans ce monde-là. Le monde ne nous a pas fait cadeau. Même nos frères, nos sœurs, nos parents ne nous ont pas fait cadeau. Alors, si tu cherches la paix, c'est en Jésus. Et ce passage te montre clairement que le Seigneur Jésus-Christ, il détient la paix éternelle. Sans cela, je t'invite à réconcilier tes voies avec Jésus-Christ. Si tu es encore chrétien et que tu n'es pas encore dépouillé des œuvres de la chair, des œuvres du monde, alors reviens véritablement afin que le Seigneur te délivre et que tu dépouilles du monde. Parce que si tu es ami du monde, tu seras ennemi de Dieu. Et ça serait très difficile pour toi pour entrer au ciel. Alors, tous ceux qui veulent la paix, qui sont fatigués du monde, le Seigneur dit dans Matthieu 11, verset 28 à 29, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la paix que vous recherchez. » Beaucoup sont tourmentés dans les sommeils. Beaucoup sont dans les églises, mais les démons les poursuivent encore. Donc voici cette parole qui vient encore te donner l'espoir que le Seigneur Jésus-Christ peut te donner la paix que tu cherches. Le monde ne peut pas te donner la paix. Donc voici un peu ce que j'ai pour toi. Donc avant toute chose, nous allons finir par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ, que cette parole soit gravée dans la mémoire de tous tes enfants dans le monde entier. Glorifie ton nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et nous serons à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.